Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis la chef du comptoir 113. Donc nous sommes 113 Grande Rue de la Guillotière, à l'angle de la rue de Créqui et de la rue de la Guillotière. Tout à l'heure, on a vu, moi j'ai vu passer plein de plats, j'en ai vu un qui s'appelle le croque 113. Oui. Et à coup de quoi dedans ? Le croque 113, c'est un croque-monsieur revisité avec un petit coulis de tomate, du jambon blanc truffé, du morbier, et qu'on recouvre d'une sauce béchamel maison également, et qu'on passe au four pour faire griller tout ça. On va rebondir sur les champignons. Ça, c'est quoi ? Ça, ce sont des cèpes de Haute-Loire. Ouais. Vous m'avez présenté une assiette tout à l'heure, c'était... Ah oui, alors les cèpes, on les fait en fricassé, en fait. Ouais. Donc là, alors, en l'occurrence, c'est avec pommes de terre. Ouais. Donc on les passe à la poêle, on les fait saisir. Avec une petite persillade et du beurre, et quelques, et quelques pommes de terre. Et franchement, ouais, okay. C'est top. Et les morilles, vous les faites comment ? Les morilles, alors les morilles, c'est la croûte aux morilles. Donc c'est une sauce, sauce à la crème aux morilles et au vin du Jura, au vin jaune du Jura. C'est une recette jurassienne d'ailleurs. On va rebondir sur les vins, du coup. Oui. Si vous parlez de vin, vous en avez beaucoup, j'ai vu. Ouais. Oui, on mal, a une centaine de références à la carte, ouais. Ouais. En bouteille, ouais. Okay. Blanc, du rouge. Après, ouais. Il y a une bonne ambiance, c'est chaleureux. Ouais. Oui. Et ça sent bon. Alors, c'est ce qui compte, hein. C'est qu'il y ait une ambiance conviviale, que les gens se sentent à l'aise et voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de charcuterie tout à l'heure. On a oui. Tout ça. Alors, mortadelle truffée également, comme le jambon. Bon, ça vient d'Italie, ça vient d'Italie en direct. On a de la charcuterie artisanale corse. Qui vient directement de Corse aussi, hein, de chez Benoît. C'est Benoît Rinaldi qui fait sa charcuterie et qui nous l'envoie.